Allô. Ah oui, il y a toujours le camion, là, si tu veux le dépanner. Moi, je sais pas faire. Hein. Faudra voir si je me chauffe pour finir le convoyeur. Là. Voilà, donc là on entend sur le stream normalement. Et l'objectif du jour c'est Steel is the new iron. Pardon pour l'accent. J'ai pas compris, ça a coupé. Steel is the L'objectif? new iron. C'est ça. J'aurais pu partir avec le camion pour voir si ça marchait. Je lui fais confiance. Ouais, je lui fais confiance, allez. Sûr de ça. J'ai du mal à faire le rendu au début. Ouais, j'ai un peu du mal. Je sais pas si c'est depuis la dernière mise à jour que ça pète comme ça, mais c'est un peu lourd. Ah ouais? Ouais, il y a Non, moi vraiment c'est du. vraiment juste quand j'allume le jeu. Mais effectivement, le brouillard il était pas avant. Ouais. Sais pas si ça se décoche dans les options. Non, ils sont dans le post-traitement. J'ai le champ de vision au max. Non, je sais pas. D'ailleurs, je sais toujours pas ce qui me faisait cracher au début. Ça te l'a pas refait. Bah non, et là, j'ai progressivement tout remonté à fond. Et bah, il n'y a plus de soucis. Normal. J'ai toujours le camion qui est pendu au-dessus des tapis, avec les roues qui bougent pour essayer de. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. J'essaye de manœuvrer dans le vide là. Bah clairement, elle y touche plus. Hein. Moi je continue la MK3. Ah mais je suis con, le tapis, j'ai juste allé tout droit en fait. Dans l'ascenseur, je le vois, il est pile en face. Ouais, l'ascenseur, enfin le tapis, tu peux le faire tout droit vers l'ascenseur, c'est sûr. Je vais juste le faire maintenant en hauteur pour pas qu'il gêne les camions. Et après on est bon. J'aimerais bien que le camion revienne pour que j'aille connecter le charbon en tant que fuel aussi. Sinon, il va couper au milieu. J'aime faire confiance au camion. Ouais, j'ai eu un peu trop la confiance, là. Un peu trop. Le trajet finalement se fait super rapidement. J'ai l'impression que c'est même plus rapide que la première mine de charbon qu'on a. Ouais, c'est possible, En hein. prenant pas Ouais. des tours à la con. C'est ça, une fois qu'on sait vraiment où on va. Pas si loin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une balise pour faire un waypoint assez Ah ouais, stratégique. pas Et du du chemin. coup, comme ça, après, t'optimises vachement ton temps de trajet. Si Ok. t'es pas en train de chercher tout le temps où tu vas. Et encore, à mon avis, c'est pas 100% optique parce que je pense que la direction où on est, ça coupe derrière la mine de cuivre. Ouais. C'est quand on est en hauteur là. À En mon avis, effet. si je fais mon truc tout droit, je pense que je vais arriver par là. D'accord. On verra, mais. Bon, alors en effet, il était tombé en rade de charbon, donc je vais aller connecter. La classique. Bah, le camion qui est pendu, là, ça va lui arriver aussi. Hein. Parce que là, il est en train d'essayer de manœuvrer dans le vide.
sais pas s'ils consomment autant d'électricité que. Ce qu'il faudrait, c'est des camions ravitailleurs, tu sais, qui vont ravitailler les autres camions en charbon. Des drones. Des drones avec des barils. Moi, je suis d'avis qu'on met des camions partout, et puis après. Comme ça, on a un pourcentage d'erreur, on s'en bat les couilles. Bon, alors déjà, je vais augmenter grandement la vitesse de ces trucs. Voilà, là on parle. Ensuite, il me faut juste un splitter qui alimente. C'est tellement fait venir les MK3. Et encore, on n'a pas fait les MK4. Ouais, là, je sais pas ce que ça va donner. On a combien d'items par minute déjà avec les 3? Les 3, c'est 270. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On entend pas mal ton clavier là, je sais pas si. Ah ouais? Ouais. Je sais pas trop comment il est dirigé ce micro en fait. Peut-être si je mets le casque à l'envers, attends. Est-ce qu'on entend parler quand même? Non, t'entends parler. Ouais. T'entends parler? Est-ce qu'on entend mes touches? Oui, pareil. Plus qu'avant? Pareil? Pareil. Merde. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Faut pas que j'achète un vrai micro un jour. T'as d'autres choses à penser avant? T'as le déménagement, tout ça? Ouais. Il y a un clocher vers chez toi, un truc qui sonne. Ah, tu l'entends? Merde. Bah ouais, c'est l'église. C'est l'église? Ouais. T'inquiète, normalement ça dure pas toute la nuit. Ça va. En théorie. On s'en fait scanner au bout d'un moment. Ah ouais, mais faut que je commence à monter vachement plus tôt. Hyper vague. Damn. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Problème de camion. Non, mais je suis monté dedans sans faire exprès, du coup il a fait demi-tour. C'est abruti. Ah, bah oui, flic. Non, mais je pense qu'il y a certaines actions qui réinitialisent son autopilote. Et... Ouais, ouais. Et du coup, après, c'est certaines actions comme sauter sur les roues. Par exemple. Violent le tapis.
Ah putain, il se bloque avec ce truc à la con. Oh, c'est bon, il arrive à manœuvrer. Des fois, il est pas trop con. Il a fait quoi? Il s'est bloqué sur un buisson et il a fait une manœuvre pour se débloquer, quoi. Donc, Ok. Mais pas mal. j'ai l'impression que quand il se passe pas ce qu'il veut, il tourne les roues un peu en mode random. Jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin. Jusqu'à ce qu'il se passe. Ouais, parce que là, clairement, tu verras le camion qui est posé sur les tapis, là. Oh Clairement, il est en mode putain, gauche-droite. il se bloque dans la montée, fait chier. Pourtant, quand je l'ai fait, ça passait. Ah. Bizarre. Ah, c'est bon, il y arrive. Pareil, là, tu vois, il a fait demi-tour, il a repris de l'élan. Sinon tu fais pareil, hein. L'autoroute, tu la fais en béton et puis tout droit. Tu fais Oui, pas si loin au c'est final. une autre possibilité. Attends, qu'est-ce qu'on a comme cuivre? Je regarde à quelle distance c'était. C'est bon, il s'en sort. Puis alors, en plus, c'est un truc à flanc de montagne, et si le camion tombe, il tombe dans un lac. Ah yes, c'est safe. C'est ultra safe. Je traverse une montagne, mais c'est pas très grave. Là, tu prends tellement d'inertie quand tu cours sur le camion et que tu sautes dans la direction où il Mais oui, roule. C'est énorme. c'est n'importe quoi, c'est comme les tapis, je sais pas pourquoi. Mais... c'est sûr que la physique de jeu est un peu chaud. Un petit peu. Sais pas quel mec qui a fait ça, mais je crois qu'il a pas tous ses vies. Ou alors il s'est dit non, c'est bon, moi. Ça marchait dans God. Ça marchait dans le... Les gens avaient l'air bien aimés. De viaduc. Oh non, plus de plaques de fer. Tuez-moi. Bon, je crois que je vais vider mon inventaire Bon, et comment je revenir avec m'organise moi? tout là. Je vais essayer de faire un truc pas trop con aussi, pour une fois. Il va me falloir plein de pipes pour faire des fonderies. Bouge plus le camion. Ah, si. Ah, il est encore vivant. On est seul. Ah, j'avais pas vu de loin nos trucs à charbon. Sur un tapis de contresens. Sur T'essayes un d'éviter le MK3, tu pire peux même endroit, pas? mais... Tu peux même pas sur un MK3, non? Ah si, mais en fait, faut viser le bord. Ah ouais. Et, sauf que dès que tu fais la moindre erreur, tu te fais éjecter à 100 mètres. Tu prends ce qui t'arrive.
Et s'il y a un virage, là c'est fini. Comment faire les choses intelligemment? C'est dur ça. C'est dur de pas faire des trucs complètement cons. Ah, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça. Fallait le dire plus tôt parce que. C'est un peu chiant par contre de tomber dans la flotte, tu peux jamais remonter. Ouais, faut prévoir des rampes quoi si tu veux remonter de la flotte sinon. Ah mais même quand il y a un caillou qui est là en mode t'as l'impression que c'est une rampe mais pas du tout. Une fonderie ça consomme 45, c'est ça de chaque? Oui c'est ça. Je crois que c'est ça ouais. Mais j'avais pas vu ce qu'il y avait en bas de la cascade. Une espèce de grand vide avec des petites îles au milieu. Je sais pas s'il y a d'autres trucs de l'autre côté ou pas. Difficile de savoir où la map s'arrête en fait. Ouais. Parce que des fois t'as l'impression qu'ils ont mis un grand vide pour t'arrêter et en fait il y a d'autres trucs. Que j'en fasse 12. Ah, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une nouvelle carte, une nouvelle map dans le. Ah, j'ai toujours pas regardé, moi. À chaque fois j'oublie. On va cliquer. Je crois qu'il faut que j'en fasse 12 avec 240 par minute de production de charbon. Bon. Non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Parce que du coup, tu fais quoi? Tu fais l'acier directement sur place? C'est pas 12, c'est 6. C'est la moitié. Ouais, je vais. Non, pas tout faire sur place, je fais tout à la base. Ah, ok. J'ai déjà ramené le charbon, donc normalement je peux m'en sortir. Il faut que j'en fasse 6. Ah, ok, tu vas crafter de l'acier. Ok. Ouais. Bah, limite, mes trucs de béton armé, je les foutrai sur le tapis et je les ramène à la base aussi. Ouais, ok. On pourra le réutiliser dans un craft. Yes. Et du coup, il n'y a plus de camion qui fait la liaison avec ici. Allez. On a dit 6. Je vais quand même vérifier en faisant le calcul avec une calculatrice. C'est ça. Est-ce qu'on est loin de la techno jetpack au fait? Je sais pas, je vais regarder. Mais a priori, le jetpack est inutile de ce que me disait un collègue. Ah bon? Ouais, enfin, il disait que c'était vraiment pas intéressant. Il était vachement déçu. C'est pareil, c'est 50 heavy modular frames. C'est la même chose. Ah ouais. Oh l'enfer. Faut vraiment qu'on la fasse cette usine la module après. On va la faire, on va la faire. En fait, moi, il y a juste un truc que je trouve un peu relou, c'est qu'il manque des blocs de contrôle un peu. Genre que tu puisses juste faire un gros stockage de matière. Ah, et première. De dire là tu produis ça, là tu produis ça. Ouais, c'est ça.
genre, bon bah là, j'ai envie de modifier Friends, je redirige tout dans les Ouais. dans telle usine. Pareil, ça, je pense que ça va venir, la logique, ça m'étonnerait que ça soit pas dans le Ouais. jeu. Ouais, c'est sûr. Parce que là, t'as l'impression de devoir tout produire en continu, alors qu'au final, il y a tout qui se stocke. Chaque fois que t'as besoin d'un truc, tu fais une usine, et puis après, elle te sert plus pendant 10 heures. Ouais, c'est ça. Pas au petit, quoi. J'avoue. Alors qu'avec la production de fer et de béton qu'on a, on ne devrait pas avoir de soucis, quoi. Bon, je bétonne, hein. Ce sera plus facile pour reconstruire. Ouais, moi je suis en train de me dire, je crois que je vais bétonner une route jusqu'au pétrole. Ah, pas con, moi. En rentrant là, je vais faire un petit truc en hauteur pour pas gêner. Petite route, comme ça si on veut on mettra des camions dessus. Parce que le tapis ce sera bien, mais que dans un sens quoi. Tu l'as fait que dans un sens finalement. Ouais, tu me diras, ça coûte tellement Bah, en cher, tout cas, mais pour le moment, je vais déjà ouais. faire un minimum d'ensemble. Après, si on veut faire le retour, on peut. Ouais. J'ai aucune idée de combien de béton il faut. C'est light au niveau des monstres en fait. Hein. Bah, une fois que tu À les part vraiment quand as tu les. Ouais. décimés, il n'y a plus personne, quoi. Faudrait presque qu'ils repopent un petit peu de temps en temps. La nuit, quelque chose comme ça. Quitte Non, à puis ce il qu'ils faudrait mettent que ça des. fasse comme dans Factorio, que tu aies une base à défendre aussi, ça ce serait top. Parce que ça faisait quoi? Ça faisait un peu Tower Defense, c'est ça? En fait, ouais, Factorio, plus tu pollues, plus ça attire des monstres et plus ça en fait popper. Et Ah! ils attaquent les Ah, c'est trucs qui bien. polluent. Du coup, Ok. ça te force à aller vers les énergies vertes, ça te force à mettre des murs, à mettre des tower defense. Enfin, c'est Ça c'est plutôt sympa. comme mécanique, ça marche bien, quoi. Ah là, il pourrait largement. Ça viendra sûrement. Après, pareil, c'est comme c'est en 2D, c'est beaucoup plus facile à planifier qu'en 3D comme ça. Ouais. Parce que tu Ah mais vois là, pour être directement normal d'avoir les des trucs. rayons d'action des armes, enfin. Ah ouais. C'est chiant de monter avec les rangs parce que tu peux pas les mettre bout à bout, tu Ah les ouais. passer par une dalle à chaque fois.
J'ai aucune idée de la hauteur à laquelle faut monter. Le chemin pour venir au pétrole, il fait que monter. Je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Bah, tu montes jusqu'au géothermal et ensuite tu redescends. Ah ouais. Il va falloir creuser aussi. Si tu n'as rien à craquer. C'est une autre ambition, ça encore. Peut-être faire un camion foreux. Ouais. Bon, alors. Réfléchissons un peu. Je vais avoir mon tuyau à charbon là. Sortir un MK3 direct. Je te cache pas que mon chemin en camion ça va être tendu. Une espèce de montée raide sur l'enveloppe de béton. Après, je pense que si dans la montée tu lui mets des petites passerelles où il peut reprendre de l'élan, ça peut passer. Ah, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, pas bizarre. Mais peut-être. Par contre, j'ai pas trop prévu les passerelles pour le moment. Ouais, c'est pas grave. C'est juste une idée. Bah, je vais en faire une petite ici. Heureusement qu'il n'y a pas la physique des pompes par contre. On serait bien dans la merde. Ah ok, là je suis au niveau des... du truc géothermal. On peut pas empiler les splitters. Non. Y a rien qu'on peut empiler hein, à part les conteneurs. Par contre, les conteneurs ça compte vraiment comme un pylône en béton. Tu peux foutre des tapis par-dessus. Et ah oui. En vrai, quand tu connais bien le jeu, plutôt que de te faire chier à explorer avec les mobs et tout, tu fais juste un gros pont. Bah après, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est des grandes passerelles en hauteur où ils font toute leur ouais, production. Ça, clairement, c'est ça qu'il faut faire. En fait, je pense que le béton est pas assez rare. Ah, c'est possible. Ouais. Parce que là, franchement, tu peux te faire. Tu peux détonner toute la map, ça coûte que dalle. C'est un peu abusé. Genre là, j'ai juste attendu 2 minutes devant le truc à béton. Et j'ai assez pour faire mes 2 km de pont. Genre des trucs que tu peux faire même en début de game. Pas top.
bah là je suis en ligne droite vers l'ascenseur. Littéralement. Faut avoir confiance quand tu places les blocs dans le vide quand même, mon dieu. Autant dans Minecraft, c'était assez bien foutu, tu savais exactement. Hein. Enfin, ça avait l'air fiable, tu vois. Alors que là, tu sens que si tu cliques une demi-seconde trop tard, c'est fini. C'est quand même assez grande cette map. Hein. Pardon ? Elle est quand même assez grande cette map. Ouais. Ça me fera la fin. Et voilà, je suis tombé. GG. GG. Well played. Oh putain. Le gros décès. Plein milieu de la forêt en plus. Aïe aïe aïe. Je sens que je vais m'amuser pour retrouver la staff. Je sens que ça va être rigolo. Ah, je suis encore bugué dans le hum. En fait, il me fait repop dans un mur. J'ai trouvé le moyen de faire flotter un splitter. C'est dégueulasse, mais... Tu le mets sur un tapis, non ? Bah, en fait, je mets deux élévateurs, là, de tapis. Je mets un tapis entre les deux. Ouais. Et ensuite, je pose le splitter sur ce tapis-là. C'est dégueulasse. Parfait. Après, tu peux aussi juste monter avec du béton, mais... Et le foutre comme ça. Après, tu retires le béton. Et du coup, là, est-ce que je peux faire alors ça... Eh non, ça marche pas... Oh, fuck. Je vais essayer avec l'astuce du béton. Sinon, tu mets ton tapis, tu mets le splitter après. Faire même si c'est en l'air, ça marche. Faisons comme ça. Que sur la minimap, c'est les... enfin, sur la boussole, c'est la distance. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, t'as plein de points au même endroit, mais tu sais pas du tout lesquels sont loin. On a toujours pas débloqué les cartes d'ailleurs. Les cartes ? Je sais pas trop à quel moment. Bah, ouais, attends, le keybinding, il y a une touche pour afficher la map. Ah bon? Ah, c'est peut-être oui. Le fabrique qu'on doit étudier là, mais je sais pas où est-ce qu'on le trouve. Ah. Où est-ce qu'on le trouve? Faut sûrement explorer un peu. Dommage, ça marche pas non plus. Ça te le fait des fois, mais genre je ramasse une baie, ouais. Et elle apparaît pas dans l'inventaire. Ah non, ça m'a pas fait ça.
plusieurs fois que ça me fait ça, genre tu te dis ah chouette, je vais pouvoir régénérer, et en fait non, pas du tout. Elle a disparu de l'arme, mais elle est pas dans tes poches. Ah, meilleure idée du monde de se balader à poil dans la forêt. Avec trois cœurs. Il y a des araignées? Non, juste les petits machins qui tirent dessus à distance. Ah ouais. Il faudra que je teste le mode arachnophobie pour le LOL. Quand on retrouvera des araignées. Ça fait quoi en fait ce mode, tu sais? Là, je sais pas du tout. Justement. Après, ça m'étonnerait que ce soit très évolué. Ça va juste être un sprite différent, je pense. Bon, on va faire comme ça. Ah, mais en fait, les noix, on peut les manger. C'est pas vu. Les noix bleues, là? Les machins, ouais. Ouais, ouais. Ça redonne quoi, ça, un demi-cœur? Un demi-cœur, ouais. Tout à fait. Ok. C'est déjà ça. Bon, alors, ça marche que d'un côté, c'est triste. J'ai envie de faire un truc bien. Merde. Je suis marrant. Ah. Yes. Ok. Maintenant, j'ai plus qu'à refaire ça deux fois et je serai bon. Dans les fonderies, là, dans les fonderies, enfin, je sais pas comment on appelle ça en français. Il faut obligatoirement que le charbon arrive d'un côté et le fer de l'autre, ou c'est indifférent? Très bien. Ah non, tu le mets dans l'ordre que tu veux. Ok, ça. Ah, j'ai plus de câbles. Ça, c'est pas commun.
trouvé ton cadavre, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai réussi à remonter. C'est une épave qui est dans un arbre là. Oh, je vois un truc chelou. Il y a un morceau orange comme des épaves, sauf qu'il est tout en haut d'un truc. Ah ouais? On va approcher. Ouais, c'est ça. Hein. Carrément une épave. C'est dingue. Bah, j'ai fait un crochet par là. Hein. Ah, celui-là, je l'aurais pas vu d'en bas. Hein. Je crois qu'il a été mis là exprès pour que les gros dégueulasses comme nous découvrent dans leur truc. Ah, mais en fait, il y a un morceau d'épave par terre et l'autre en haut. Ah, mais non. De cuivre en secours. Oh. Peu de collision. Non, pas, y'a rien dessus. Nice. Tout ça pour ça. Ah, si, y'a un moteur en haut. Ah, attends, il y a un autre truc. Bon, je dois dire que je suis pas peu fier du résultat là. Il y a 20 mégawatts ici. Je fais une balise. Ok. Ah, il y a 200 mégawatts. Nice. Ensuite. Donc j'ai besoin faire. Je vais réunir tout ça sur un seul splitter, je pense. De la base là. Bon, j'arrive pas à poser de bloc, je sais pas trop pourquoi. Bon, j'ai plus qu'à amener du fer et ça va commencer à produire. Okay. Je vais un peu reprendre du fer sur, sur les premières mines de fer qu'on a là, qui servent à rien. Ouais. Ok. Bon, là, moi j'arrive du côté de la base normalement.
Ah, par contre, ça va être un peu plus tendu. T'as tous les meubles qui t'aggro d'en bas qui te font bien comprendre qu'il faut pas tomber. Alors je vais en faire deux déjà. Et allez, il me faut encore des encased beams. Super. Ah bah alors ça je peux t'en... Ah non merde, j'ai coupé la prod pour avoir des... Non mais t'inquiète, j'ai de quoi en faire. J'ai de quoi en faire. J'en ai pas besoin de beaucoup. Des beams, tout court. Il m'en faut que 8. Ah oui, ça va. Est-ce que je les ai? Non, je les ai pas mis. Bon, l'autoroute est pas très longue. Je dois être à 500 mètres. J'aperçois notre belle usine. Il y a encore pas mal de monde ici. Du côté de l'épave, là, à côté de la base. Ah ouais? On les avait pas nettoyés, ceux-là. Pas mal. Bah, il y a un coin, en fait, derrière l'endroit un peu toxique. On n'a pas trop dû aller. D'accord. Oh non, j'ai plus de béton. Je suis à 300 mètres de la base, j'ai plus de béton. Tu ferais pas une petite rampe pour arriver jusque là? Pour arriver jusqu'où? Je suis juste au niveau de l'épave, derrière le cuivre. Alors, tu veux une rampe pour aller où? De 3 stacks de cuivre. En gros, dans ma direction. Depuis l'usine. Enfin, depuis n'importe où, en fait. Bon, je vais partir de ton... Tu pars du cuivre. Tu pars du cuivre, tu montes de 3-4 rampes. Je vais venir sur ta position et puis on va le faire depuis ta position, ça. Ok. Ouais, ça se fait. Par contre, il y a des mâles en dessous. D'accord. Ah, il y a du poison aussi. Non, mauvaise idée. Mais regarde, c'est bon. J'y suis presque. Ah, mais tu as galéré à construire aussi. Oh. Ça va, ce côté-là? Ok. Tu me dis quand il faut que je commence à descendre? Ouais, tu peux déjà. Hein. Sans tranquille vers la base. Oh, ça fait de ces vagues. Ouais, continue d'avancer un peu droit de cette hauteur là peut-être. Et puis limite tu le fais atterrir au niveau du cuivre, on se débrouillera après. Au niveau du cuivre, c'est... Ah Dalle. Quoi? J'avais sauté sur la plaque que tu viens d'enlever. Merci, désolé. Oups. Du coup, on va plutôt là-bas. Il va falloir qu'on arrive à tourner, non? Ouais, tu peux faire des virages, c'est pas gênant. Et tu penses que c'est assez large pour le camion, ouais? Il va pas tomber? Je sais pas, au pire, on le doublera, hein. Ouais. S'il y a besoin. Mais là, au moins déjà à pied, on peut faire le trajet. Ça va aller plus vite, je pense. Quand on y va en direct, c'est assez rapide. Ouais, tu fais la terre dans la plaine.
Ouais, je le fais atterrir dans la plaine. Ouais, comme ça, si on veut, on mettra des stockages. Je sais pas quoi ici. Des usines directes. Il y a un peu de place. Ah ouais, il y a ici aussi, il y a de l'EMU. On peut pas le rechercher, c'est bizarre. Attends, je vais chronométrer en combien de temps on va à l'usine. Est-ce que je continue ou tu ou c'est bon là? Bon, reste ici pour le moment, après on verra ce qu'on en fait. S'il y a besoin, on ira plus loin. Mais... Bon, je vais terminer ma production d'acier. D'accord. Moi, je fais le parcours, je te dis quand même. Ok. Ah, t'attends en tout cas. Ah, j'aurais pu direct tenter avec un tracteur. Faut des. Enfin, faut faire plein de choses pour. Faut fabriquer plein de trucs pour faire un gros tracteur. Ouais. À quand l'usine à tracteur? L'usine à tracteur. Mais dans Factorio, tu peux faire ça. Ah ouais? Ouais. Ce serait bien, c'est que tu. Que les maps que tu enregistres. Enfin, que les parcours que tu enregistres, ils soient. Ils s'enregistrent sous forme de. De je sais pas, de papier. Ou de programme. Ah oui, que tu puisses le ensuite, remettre dans tu un le duplique autre et... Ouais, ouais, pas con, pas con. Ouais, tu sais, après tu l'automatises, tu le dupliques, et t'as une usine qui te sort des tracteurs déjà programmés. Déjà programmés, ouais. Une liste de bus, ça. Auto. Ça rigole. Je vais déjà une bobe avant. Minute. Je pense que j'ai fait la moitié. En tout cas, en 1 minute 20, t'es aux sources. 1 minute 20? Ah ouais? Ouais, à pied. C'est rapide. Bah ouais. Vachement direct en fait. Après, ça a slalomé. Là, on va pas tarder à arriver à. Ça va être un peu plus de 2 minutes. Et du coup, tu l'as fait partir d'où vers le pétrole? Bah alors là... Après le pont? 2 minutes. 2 minutes, j'arrive au pont, ouais. Ok. 2 minutes, je suis au bout du pont, après... Je continue. Ah, oh, c'est vachement rapide, en fait. On n'a plus qu'à foutre les tapis dessus. Pas qu'on soit allé taper sur les pans. Ah, c'est relou. Ah, c'est relou. J'avais besoin de MK3. Ah merde, je pense que j'ai besoin de qualité. J'ai besoin de trop de... d'acier besoin. Tu veux que je t'en apporte de l'acier? Non, il y en a encore dans le stockage. Ah oui, on a produit, il y a un stockage plein. Ah bah il se vide quand même assez vite, hein. Faut faire gaffe. Ah ouais, ouais. Et t'as mis une usine au coup? Et tu sais, il y a les usines à moteur qui en consomment ah, pas mal. Ah c'est vrai. C'est vrai. J'arrête un peu mon délire et je me remets à produire
plus béton armé. Ok. Déjà deux stocks, deux stacks ouais. De béton armé. Toujours sérieux. Il va falloir que je les limite un petit peu les usines pour qu'elles ne produisent que 40, pour qu'elles n'en consomment que 40. Allez, on va toutes les mettre à 89%. C'est trop chiant, j'aimerais pouvoir taper des chiffres dans les pourcentages de d'overclockage. Ouais, clairement. Putain. Ça manque trop. C'est carrément pas pratique. Au moins qu'il y a un petit plus moins. Ouais. Ok, ensuite. On va restocker tout ça. Est-ce qu'on stocke des lingots d'acier ou est-ce qu'on les met directement en production de beams et de pipes? Je pense qu'on peut direct produire. Après, éventuellement, on met un petit buffer pour qu'on puisse la récupérer. C'est que si je mets un buffer, il faut tout que je remerge. Ouais, ouais allez, je vais. Je vais essayer de mettre tout en production.
couille, je mets toujours une 80. Rien à faire. Ça coûte quoi déjà un camion? Ah ouais. Oui. Un tracteur par contre. Ça va. Non mais le tracteur il va jamais monter là. Sur ma route. Ah, il y a des chances qu'il n'y ait pas assez de puissance en effet. Ça se trouve, je peux les crafter sur place, mais qu'est-ce que...
Bon, là j'ai la production de pipes qui est en bonne voie. De pipes, des pipes. Ouais. Il veut pas se connecter, non? C'est abruti. Je l'ai pas mis dans le bon sens, le splitter à tous les coups. On refait. Et là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un camion? Coûte cher quand même. Ah, mais j'arrive pas à le mettre dans le bon sens ou je suis con? Eh ben c'est pas facile, hein, être intelligent. Et j'ai plus du tout de plaque de fer. Qui manque les plaques de fer. C'est le truc que tu craftes au tout début et que t'arrêtes de crafter après quoi. Ouais. Sauf que t'en utilises vraiment beaucoup. Bravo. Et je sais même plus pourquoi je voulais rentrer à la base. Ok, il plaît tout, je crois. C'est un peu abusé d'avoir mis tout le pétrole à cet endroit-là quand même. Bah je pense qu'il y en a ailleurs, mais c'est vrai que là on utilise tout. Ouais, on a quoi, 5 ou 6 puits? Ouais. On en a 6. Avant d'avoir besoin de plus que ça. T'as le temps de te développer un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Alors il est loin, mais bon.
peut-être planter un ou deux petits puits un peu plus proches. Et... Là, c'est complètement cheaté. Bon, alors, c'est parti au camion. Encore. Ah, si. Ah, ça va, il est constant à 20 km/h dans la montée. Nice. Pas dégueu. Ouais, il y a quand même plus de montée dans ce sens-là. Dans les virages, faut avoir un peu plus de largeur quand même. Bon, je crois que j'ai. Ah merde, mais j'ai plus de béton. Oh le con. Ah, pour passer là, ça va être sportif. Ah si, t'appuies sur E, t'appuies sur E. Bah là, je suis sorti, mais... Je sais pas comment je vais poser ces putains d'escaliers. Bon, j'ai pas besoin de le faire sur les deux longueurs. Tac. 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 Là, on va aligner les constructeurs. Ah ouais, mais avec tous ces tapis, on peut plus passer là. Pardon.
t'as besoin d'aide, en fait? Non, non, ça va, je m'en sors pour l'instant. Ça va. Bah, j'en parle à la mine. C'est pas optimal, ça me va pas. Construisez-vous en fait Vers la mine de ciment de la base. Ah, ok. Je vois. Les dalles, elles sont vraiment juste sous l'herbe, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bétonné, mais pas trop. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est full bay ici. Bon, faut que je trouve un moyen de remonter sur ma passerelle, du coup. On va faire pareil ici, du coup, je vais. Ah, on avait d'autres minerais de fer ici. Tu vas entendre une imprimante, c'est normal. Pas de panique. Ok. Tu le crois, j'ai mis tous les constructeurs à l'envers. Ah, j'ai. C'est pas mal. Je ferais bien un pont ici. Ah ouais, elle est vénère pour l'instant. Ouais, elle est vénère en. Elle est en train de faire une impression rapide là. Thank you.
Ouais, j'ai fait un pont pour les camions. Au-dessus de l'arrivée des pétroles. Bon, allez, je viens voir ça. Jamais comme ça. Bon, y'a rien d'extraordinaire. Juste, j'ai la flemme de faire le tour. Faut montrer pour la VOD quand même. C'est pas faux. Ah, t'arrives pas en dessous. Ah d'accord, oui, pardon. Ah oui, d'accord, ah, sympa. Alors, si jamais t'as besoin d'amener un truc dans ton usine. Attends, je monte dans le camion. Purée, le saut que tu fais, hein, ça s'en arrête. Attends-moi. Ah, tu montes? Oui. Okay. Ah bah limite, ça m'arrange, t'as du béton sur toi? Je dois en avoir, ouais. Sinon, il y en a dans le coffre. Pour faire quoi? Si tu peux... élargir la chaussée au moment où je passe, au moins dans les virages. Ok. Ça pourrait être plus safe. Je pense qu'avec deux, on est déjà pas mal. Ah ouais, je te laisse prendre de l'avance. Ah, j'en ai oublié un. Pardon. Ouais. Allez. Allez. Je peux pas le poser. Putain, merde. Aïe. Je fais n'importe quoi. En plus. Attention. Voilà, une belle autoroute. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et là, tu vas voir après, une fois que t'es en ligne droite, pas de trace. Je crois que j'en ai plus. Attends, faut que je prenne du béton dans le coffre. Va dans le coffre, ouais. J'en ai sur moi aussi, je peux te le filer. Mais il y a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Ouais, oui. Je vais poser un peu des trucs à moi là parce que j'ai trop de merdier. Vas-y. Ça va. Est-ce qu'il va prendre le camion? Le béton qui vole là. Tiens, Harry Potter. Mais peut-être un petit peu plus à droite ici. Bon. Ouais, là, juste à droite au moment où on tourne, et jamais on a trop d'élan. Ah, oui, pardon. Ouais, là. Ouais. Alors, comme ça, quand t'arrives, tu fais... Ouh. Ah, j'ai déjà plus de béton. Faut vraiment que je fasse le vide dans mes poches. Ne recule pas trop vite, s'il te plaît. Je reculais pas, en fait, c'est la pente. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de pente. Ah, tu as peut-être un élan en descendant. C'est peut-être moi. C'est logique, quand tu sautes vers l'arrière, le camion recule. Normal, je vois pas le problème. En fait, tout va bien. La fille qui est là. Ça paraît correct. Ouais, rebouche le petit trou à gauche quand même, au cas où. Petit trou à gauche. Non, ça. À gauche du camion, il y a un bloc. Ouais, il y a un bloc là. Ok. Ici? C'est juste moi qui le vois pas. Ouais, ouais. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est très perturbant de rouler dans le vide. Bon. Et confiance. Voilà.
un bon rythme. J'avance quand même. C'est quoi le truc à gauche? Ben justement, c'est ce que je te dis, il n'est pas. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et allez, il faut parler d'électricité. Ben maintenant qu'il y a le pont, ça va être facile. Ouais, ça va être facile. Ah oui, d'ailleurs, tu voulais relier les l'électricité. Ouais, on pourra faire ça par là. Passe au-dessus. Doucement, doucement, doucement. Faut viser quand même, parce que sinon je. Au pire, j'avance sur la suite gauche. Je peux pas le poser, pourquoi je peux pas le poser? Ah, il y a la tour. La tour. Tu peux la virer si tu veux. J'ai juste marqué t'es tombé. Tu vois, ici on a la. La géothermale. Ton souffle. Ok. Pareil, on peut descendre un poteau électrique. Pire, je vais passer devant. Wow. Oh, wow, wow. C'est passé quoi? Non, mais je vais passer devant comme ça, après tu me suis. Ah, ok. Là, on va arriver dans le coin sympa. Avec la descente de l'enfer. Même si t'as le frein à fond dans la descente, t'arrives pas à l'arrêter. Ah mais j'arrête pas de faire n'importe quoi. Là par contre l'arrivée tu souhaites la faire comment? Parce que... Aucune idée. J'ai plus de béton, je te le dis. Encore. Ok. Bah... Là il est pile au bon moment. Bah du coup tu veux que je te ramène? Parce que de toute façon va falloir que je récupère du béton. Ouais. Ça peut-être qu'on peut le péter à la tronçonneuse, tu me diras. Ouais, par contre, fais un truc plat à l'arrivée. Tu peux pas arrêter le camion en fait. Je suis en train de lentement me diriger vers la moyenne. Ah. Je vois que je peux peut-être négocier un virage. Ouais, essaye. Ça passe. Oh, je me retourne là, non? Ah non, ça va. Manœuvre de l'extrême. Et... Ah mais en fait tu passes pas sous le corail. Là. Ouais, faudra le péter. Ah, je referai ça propre après. Ouais, tu veux que je te ramène du coup? Ouais. Attends, on va lancer un petit chrono. Allez, go. Normalement là je peux tracer. Voilà, c'est la partie relou. J'ai mis 45 secondes à monter ça. Faut limite laisser la station de tracteur en haut. Ok, là on trace. 70 à l'heure. J'avais pas testé le klaxon. Elle est mieux que l'autre. Allez, nique la nature. C'est vraiment scandaleux ce jeu. Qu'est-ce qu'elle est belle cette nature.
toujours pas la plaque de béton, ça me perturbe. On est parti pour un jump là. Oh putain. Oh non. Oh non. Oh non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Ça tient, ça tient. Bon bah, ben, salut hein. Putain. Oh putain, il est encore à l'envers. Je continue à pied. Allez, retourne-toi. Et voilà. Bon bah, je suis dans le tracteur. À la manœuvre. Bon, j'y étais presque. On va peut-être mettre des barrières de ce côté-là. D'une jump. Il drift ce camion. J'ai tout le béton de l'usine. Nice. Une fois qu'on l'utilise. Ah, ça y est, elle est vide. Ah bah oui, parce que t'en utilises aussi, non, maintenant? Ah non. Non, pour l'instant, j'en utilise pas. Ok. Au pire, sur le MK3, je foutrai tout ce qu'on produit là-bas. Béton, acier, pétrole. Ah, j'ai pas pris assez de recul, je suis vraiment une merde. Fuck. Comment je vais m'en sortir? Maintenant que j'ai tout construit, je vais pas tout. Fuck. Ah, c'est chiant ça. Limite, à chaque fois, il faut voir plus grand. Minutes aussi. Ok. Après, si vraiment on chauffe et qu'on fait des stations à hauteur, une minute il fait son petit aller-retour. Moi je vais clairement laisser les camions là. La mousse. T'avais récupéré ton stuff au fait? Non, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Ah oui, t'avais pris, moi je pense ça. Je vais faire une grande plateforme ici. Pour tous les camions.
Honnêtement, si j'arrive à faire ça toute la longueur, ça va être stylé. Ah ouais? Attends, j'arrive de toute façon. Je fais mes tapis. Pas les trucs, ça peut pas marcher. C'est quoi? Si je fais pas les alignements correctement, ça va pas marcher. C'est chiant. Le tapis il va limite faire rempart de le long de la route. Nice.
Bon, je pense que je finirai cet après-midi. Ok. Je te laisse. Ça marche. De toute façon, je vais pas Finis ce que tarder tu à es en train de arrêter faire, aussi. hein, mais Tac. je pense que je vais laisser le jeu tourner si tu veux continuer. Ah, ok. Au pire, comme tu veux. Ouais, je laisse Je pars tourner. bientôt aussi. Tac. À toute. Ça marche.